Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Président. Nous sommes en direct de l'Élysée pour entendre vos explications, vos réponses à toutes les questions que l'on se pose sur cette crise, sur ce climat économique. Qu'est-ce que tu connais toi la crise ? C'est pour une tuerie lyricale que je reprends mon stylo. Violente instrumentale, un coup de feu égale un mot. Mon arme musicale, je pose ma voix dans le micro. Les paroles, je vois la bande en tant qu'on sait, on chante là-haut, là-haut. Je garde le pognon en brassant des actions, il se garde de millions. Pour eux la crise est une aubaine, les prix sont en train de baisser. C'est des milliards à peine en attendant la remontée. Regarde où ça nous mène, un écart qui fait augmenter. Entre les classes riches pauvres, regarde notre société. C'est rien à foutre des jeunes qui crèvent et ne peuvent même plus se loger. Rien à foutre des gens qui crèvent et ne peuvent même plus manger. Pour les mêmes qui s'en sortent, c'est toujours les mêmes qui se gavent à la fin. Et toujours les mêmes qui se laissent mourir. De quand je viens dénoncer le problème dans les mots que ça cesse enfin. La crise n'est pas la même pour tout le monde. Y'en a qu'on la manise pendant que pour d'autres c'est l'hécatombe. La crise n'est pas la même pour tout le monde. Certains qu'on l'utilise pendant que d'autres usent leur tombe. La France se garde, la France se le dépasse. Laissez faire par cette politique à venir. La crise n'est pas la même pour tout le monde. Y'en a qu'on la manise pendant que pour d'autres c'est l'hécatombe. La crise n'est pas la même pour tout le monde. Certains qu'on l'utilise plus que d'autres usent leur tombe. Mais alors on n'est que des racailles, on souhaite des riches de choix qui nous gouvernent. La France est une état, où la tchèque cède, ça on se champagne. Le nouveau millénaire n'aura rien à ranger, au contraire, on n'a pas que redresser. Le taux de réussite colère augmente, maintenant, sans peau, en pivot, il va des poches. Trouver du taf de plus en plus hoche, les patrons nous fauchent. Tout ça pour une couleur de peau qui ne leur plaise pas. L'objectif reste clair, pas un seul dans les prochaines élections, c'est la crise. Un tartin plus équitable, ne pas bouffer sur la table. Pétage de classe, je te raconte des pas une femme. Une opinion surmontable, voir ça en chair amiable. Je me bats pour que notre monde soit plus fiable. La crise n'est pas la même pour tout le monde. Y'en a qu'on la mamise pendant que pour d'autres c'est l'hécatombe. La crise n'est pas la même pour tout le monde. Certains font du bis pendant que d'autres leur tombe. La France se garde, devient déficitaire. Le de passe, laissez faire par cette politique à venir. La crise n'est pas la même pour tout le monde. Y'en a qu'on la mamise pendant que pour d'autres c'est l'hécatombe. La crise n'est pas la même. Certains plus vite que d'autres leur tombent. Souviens ce que Sarkozy disait. Travailler plus pour gagner plus. Mais aujourd'hui c'est travailler moins, coûter moins. On est en crise, je vous le rappelle. Victime du licenciement, survie c'est pas évident. Alors monsieur le président, changez votre comportement. Je vous le dis gentiment, y'a quelque chose qui cloche, c'est flagrant. Pourquoi votre famille ne change pas? Pourquoi ceux qui t'aiment le plus, c'est toujours les gens d'en bas? Vos discours ne passent pas, vos actions ne conviennent pas. Croyez-moi, y'a un sérieux problème, ça peut pas continuer comme ça. La prise de conscience ne va pas vous faire, mais il est clair que la solution vous éclaire. C'est tout votre système qu'il faudra foutre en l'air. C'est tous les privilèges qu'il faudra partager. C'est tout votre manège qu'il faudra cesser. Je vous le dis très clairement, l'étendard est dressé. C'est la révolte d'un peuple que je viens vous annoncer.